développement pays à émergence pays à progrès pays à c'est une initiative collective que nous voyons, son initiative commune entre chaque citoyen et citoyenne haïtien et haïtienne pour que nous capables de vivre là-dedans. C'est vrai que l'autorité a gagné, a investi dans un mandat pour que nous donne le ton, puisque nous faisons de yo des mandataires de la nation. Donc, faut nous entendre nous sur le fait que nous baillons le droit pour que nous baillons le ton. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a donné le ton en mettant sur pied le comité de pilotage et le secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation. Et là, c'est à chaque citoyen, que ce soit un monde qui appartient à la structure, ça y est, que ce soit de l'autre monde qui travaille dans des secteurs divers pour qu'emboîter le pas, pour permettre que l'initiative ça, pour te fouiller le doué pour te pour que dans 5 ans, 10 ans après, génération qui va venir après, capable de dire que nous quittons un héritage pour eux, au même titre que l'héritage qui a quitté pour nous, 18 mai 1803, Saint-Genis. En levé Haïti Piro, en Chita pour nous parler, drapeau c'est symbole fierté, drapeau c'est symbole unité. Autant de slogans que nous remarquons sous place là et dans l'occasion 215 années création de drapeau à 18 mai 1803, 18 mai 2018, 215 années déjà. Télévision nationale d'Haïti, on voit encore qui a accompagné où depuis la fière cité du drapeau, depuis Villa Caillé, côté Napé Vive, moment de célébration, ça, célébration officielle, bien entendu. Et dans quelques instants, président républicain Jovenel Moïse, pour gagner pour arriver sous place à Caillé. Voilà, président Jovenel Moïse qui a gagné pour arriver à Kindivilsain. Et déjà, nous remarquons plusieurs officiels. Vous avez dit tout à l'heure, représentant trois pouvoirs dans l'État qui déjà est même sous place pour capable participer dans la cérémonie officielle aujourd'hui. Au État-major, police nationale d'Haïti, faut que nous soulignions la présence du président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire et d'autres membres du CSPJ qui est sur place. Que tout à l'heure tu as fait mention de un pile un parlementaire qui déjà présent, notamment le président de la Chambre des députés, le député Gary Baudot de Delma, qui est sur place pour une cérémonie 10 mai 2018 ça cap déroulé ici à Caillé, la fière cité du drapeau, première citoyenne commune à Caillé qui là et le président du Sénat de la République Joseph Lambert, le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, voilà, ensemble de personnalités qui déjà là pour participer dans la cérémonie 18 mai ça Kenny Wilson. Vraiment le décor est bien planté et c'est pas la première étape journée, première étape là c'est qui ça va lier, c'est au champ président pour le recevoir avec bien entendu fanfare palais national qui est déjà sur place et c'est pas ensuite montée du drapeau et enfin offrande florale dans pied statue Jean-Jacques Dessalines qui érigé sous place à Caillé avant bien entendu au prendre direction l'église Saint-Pierre de la Caillé, voilà, première dame république, Martine Moïse, qui est même privé, bien entendu, qui a accompagné le président Jovenel Moïse, qui a retrouvé l'autre officiel, notamment le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, les salutations d'usage, voilà, pour le président du Sénat, voilà, premier citoyenne commune à Caillé, le haut état-major de la police nationale de l'Haïti, n'est-ce pas, le lieutenant général Jodel Le Sage, hein, les forces armées d'Haïti, et qui est sur place le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, alors le président de la Chambre des députés, le ministre de la Défense, salutations d'usage qui a continué, le ministre de l'Intérieur, le commandant-chef de la PNH, Michel Gédéon, l'inspecteur général en chef de la PNH, l'IGC, Ralph Stanley Jean-Pierre. Voilà en gros comment la situation est présentée, ensemble de personnalités et fanfare par national là qui paraît pour saluer le président Jovenel Moïse qui arrivait. Ici à la cité du drapeau, hein, cérémonie officielle, 215 années, 18 mai 1803, 18 mai 2018, Télévision Nationale d'Haïti. Nous, en direct, pour permettre ou vivre, point par point, étape par étape, tout ça qui a pu dérouler ici à Caillé. C'est le premier moment journée.
à la candidature pour l'hymne présidentiel. Maintenant, reposez. Je viens de souligner là, c'est le premier moment de journée. La vive quoi il est là, l'occasion de 215 années de création de rapport sous télévision nationale d'Haïti. Effectivement, et ces salutations qui ont continué. Autorité qui ont même été déplacées après au champ, après l'hymne présidentiel là qui finit de jouer. Pour te saluer, arriver chef de l'État, premier citoyen nation, président de la République là, son excellent Jovenel Moïse qui gagne. À clé bon côté, la première dame république là, Madame Martine Moïse, mais tout qui gagne en pile l'autre autorité dans trois pouvoirs l'État. Yo. Nous te dit, nous remarquons présence président Chambre députée, député Gary Baudon. Nous remarquons présence président Sénat République là, sénateur Joseph Lambert, présence Premier ministre, chef gouvernement, docteur Jacques Guy Lafontaine. Et en pile l'autre autorité en dans l'État. Et là, c'est la montée du drapeau. Drapeau bleu rouge qui va lisser. Justement, on l'autre moment symbolique dans la célébration, je dis. On a toujours fait vivre premier moment, journée de célébration. Ça, et on fait encore bonne fête du drapeau. À vous tous et à vous toutes. Ne pas prêter rien puisqu'on soutient TNH. Merci, on fait encore toute station de radio et de télévision qui a prélevé TNH matin, aux cérémonies officielles. Et après ça, la Dessalinienne. Dessalinienne, fanfare par les nationales, sont exécutés pendant les drapeaux à Bicolola. Et bien, il a fait monter, il a hissé le beau ciel à Cayenne à l'occasion 18 mai 2018, 18 mai 1803, 18 mai 2018, 215 années. Et là, et cérémonie, on nous dit qu'il démarrait. Ça, c'est première étape, premier moment journée. Président Jovenel Moïse. Première dame République, là, président Sénat, Premier ministre Jacques Lafontaine, président Chambre députée, magistrat Caillé, membre cabinet ministériel, haut état-major de la police, au commandement force l'armée d'Haïtiens. Vraiment, on dit ensemble de corps constitués de l'État, au rendez-vous ici à Caillé pour capable vivre. Journée ça et journée 18 mai. Et là, chef l'État qui a quitté place et qui a pris direction l'église Saint-Pierre de l'Arcaillet, côté Pralgayen, messe, suivi bien entendu le téléum traditionnel là. Après elle finit de monter, après le drapeau a fini de monter, après elle finit de recevoir au champ la main fanfare par les nationales. Et chef l'État avec Madame Ni et qui a dirigé lui. Dans l'église Saint-Pierre, accompagné bien entendu de officiels, accompagné bien entendu de ensemble de représentants dans l'État qui déjà fait déplacement et qui pourra l'assister messe là, messe qui pourra le démarrer dans quelques instants et c'est pour le deuxième moment journée hein, sous télévision nationale d'Haïti et après célébration eucharistique, on a retourné sous place là et c'est là discours officiel pour le gain pour fête, discours représentant l'université, puisque je vous dis, c'est le jour de l'université, et discours magistrat commune, discours, n'est-ce pas, et parlementaire, généralement parlementaire, intervenu dans la cérémonie, ça et tout, et Kenny Vincent. Et on nous dit tout à la fin, c'est pas le discours du chef de l'État, Jovenel Moïse, après le temps très certainement, qui sa message va prallier, qui sa message chef d'État va lier dans l'occasion ça, et dans le contexte côté État généraux sectoriel lancé, dans le contexte côté gagner chita parler qu'a fait à remplir le secteur dans le pays, pour que nous arrivions, j'en ai dit dans le discours lien, à un véritable pacte pour un progrès, à stabilité économique pays d'Haïti. Mais pourquoi là, puisque c'est Mesta et gagner Jean-Weekend Smeroné.
qui lui-même trouvé l'examen. Par contre, sur quelques considérations et que nous avons fait avant de nous remettre en termes de Jean-Hawkins Ferrolet qui trouvait l'église Saint-Pierre pour suite retransmission.